La pause. Chobalo, moi de mangano. I don't day, I've been searching for you. Otegon chobalo, asade moyoko. I don't day, I've been searching for you. Fortunately, you wefunu watadema. I want tata beya, baby na sweet papa. Baby, get it something. Una kene nu mata ngwelu something. Achalu go wani mwa uge boibo. Mwata makata malele. Makata malele, makata makata, wala lolo, no makata makata, makata makata, makata makata, voilà, un chasseur qui poursuit un éléphant ne s'arrête jamais pour jeter une pierre à un oiseau. Pour vous dire simplement que nous ne nous laissons pas dérouter dans notre marche de soutenir la culture. Et on parle de culture togolaise, de la culture en Afrique, d'ici et d'ailleurs. Et aujourd'hui, on vous ramène visiter le Togo au travers même des pas de danse. Nous sommes à Bassar et nous partons avec la danse Bla. C'est parti.
je sais pas si ça ressemble vraiment à la danse bla, mais je sens que oui, ça ressemble à la danse bla. Félicitations. J'ai bien défendu ma soeur. Bah alors, il faut m'expliquer déjà la danse. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour à vous également à la maison. Alors aujourd'hui c'est vendredi et comme tous les vendredis, on s'amuse, on se lâche. Voilà. Et pour cette fois-ci, on a décidé justement de partir découvrir le Togo avec vous. Alors vous restez avec nous si réellement on a dansé la danse blala. Il faut nous envoyer les messages pour nous confirmer cela. Et si vous voyez qu'il y a un coq de la basse-cour qui n'a pas réellement fait son travail également, citez-le, ce n'est pas grave. Ah, ouais. Aujourd'hui c'est vendredi et on va partir avec les programme du week-end. On reviendra tout à l'heure avec un invité spécial. On parle de culture, on parle de musique, de slam et de rap également. C'est un artiste hyper engagé. On ne le cite plus, mais je vous réserve la surprise pour Bizarre tout à l'heure. Vendredi également, on va faire la ronde avec les candidats de Dépose Voice. Voilà. Ils sont aujourd'hui au nombre de 16 et on vous avait demandé depuis le début de la semaine de voter pour eux ou pour votre candidat préféré. Favori. Aujourd'hui, on va vous montrer tous les autres candidats et vous allez voir qu'il n'y a pas que votre numéro qui a de la valeur. Hein. Tenez-vous bien. Bon, maintenant, danse bla là. Hey, le bla, attends, je descends encore. Ok. Je descends. Bon, la musique. Musique, musique. Hey. Non, non, on va pas mettre. Moi, je veux déjà comprendre ce qui s'est passé entre Wiz, menteur, entre John et toi. Franchement, je ne sais pas ce que tu as fait. Mais j'ai défendu ma soeur, Elver. Ah ouais? Mais elle a compris, elle a tout compris. Mais il y a une personne. Non, non, il y a trois personnes dans le studio qui n'ont pas dansé. Ouais. Je vais citer Miss Martha que j'invite ici. Martha. Lady Shams que j'invite également. Et Manu. Manu, les filles vont te défendre. Le groupe Simenu qu'on applaudit. Mesdames et messieurs, retrouvez catastrophiquement Martha, Lady Shams et Manu Dior. Manu Dior, t'as quoi? On y va. Hey. Musique. Tout à l'heure, on vous raccompagne à vos places. Je pense que Manu Yako, hein, la guitare est devenue bête dans cette histoire. Voilà, alors, aujourd'hui, c'est vendredi. Aujourd'hui, c'est vendredi. Obé la tiave. Et papa, on peut pas louper ça. Ah, mais jamais même. Alors, c'est vendredi. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous allez vous régaler comme d'habitude tous les vendredis. On vous ramène encore l'atmosphère de tous les vendredis. Et on est à la maison. Bienvenue encore. Bienvenue vraiment. Alors, je souhaite la bienvenue à nos deux charmantes, comment je les appelais. Non. Elles étaient dans la danse. Dans la danse, les blassies. Les convoités. C'était les poules de la basse-cour. Bah ouais. Voilà, les convoités, donc les poules de la basse-cour. Effectivement. Top culture, Mia Beticha. C'était en fait, comment? En fait, je n'arrête pas de rire. Mais c'est quoi? Parce que je n'ai pas compris le... Je ne sais pas... quel mot je vais employer. Le cognement de torse des deux. La danse blade, ce que nous avons appris, oui, c'est une danse au niveau à Bassar qui permet justement pour séduire sa compagne. Donc, vous avez une convoitée très jolie comme vous et vous avez les coqs de la basse-cour qui viennent se mesurer les uns aux autres. Justement, pour,
j'aurais préféré que mon frère batte mon cœur. Et tu vois, la poitrine, là, j'ai peur de la poitrine. Il était préparé. Par contre, ce qui m'a choqué, c'est la bagarre entre Yannick et John Chagayi. On n'a rien compris. C'était même pas des crocs. À la limite, si c'était des moustiques, on comprendrait. C'était bizarre. John était fâché. Très fâché. N'est-ce pas? Non, mais Yannick, déjà, à la base, il ne savait pas s'il fallait aller à gauche ou aller à droite. Rester au milieu. Tu es sûr que tu étais venu pour convoiter une femme ou bien tu étais en promenade? Non, mais les thérapies là, c'est énorme. Donc, il y a beaucoup de techniques d'approche. La technique là. Alors, Nyabutita, how are you? Je vais super bien. J'espère que vous allez bien. Très bon. Ça va aller. Ben, la semaine, pas la semaine passée, cette semaine, bien sûr, on s'est vu le mercredi. Exactement. On a cogné nos torses pour se défendre là. Et on a décidé qu'à partir de la semaine prochaine, on allait commencer à parler, en fait, à continuer à parler des ethnies, mais cette fois-ci, pour permettre aux téléspectateurs de pouvoir participer, d'envoyer des vidéos d'une minute dans lesquelles vous nous montrez, en fait, vous nous parlez votre langue, vous nous faites un état de vos spécialités culinaires, de vos danses, etc. Vous envoyez juste la vidéo sur le numéro affiché au bas de l'écran, le 96 06 06 06, et on se fera un plaisir de le passer dans l'émission. Énorme plaisir. Voilà. Exactement. Alors, ils avaient déjà commencé la dernière fois lorsqu'on leur a posé des questions sur les ethnies. Ils en ont cité tout beaucoup, plein. Beaucoup. Rappel mémoire, deux ethnies au Togo. Les Bassa. Oh, vous tricherez. Les Bassa, les Kabyes. Alors, Bassa, est-ce que c'est une ethnie ou bien c'est... Je ne sais pas, c'est... une ville. Alors, parce non, que normalement, ça doit être quoi aussi. Les Ébés, les Azia, les Tim. Les Tim, les Gans, les Naoudemba. Et voilà. Les Losso. Les Losso, les Akosso. Les Mouba. Franchement, vous avez... Les sourcils. Vous connaissez votre culture. C'est bien. Oui, plus ou moins. Mais ça fait plaisir de revenir là-dessus parce que l'année dernière, on nous a vu, hein, on a tiré beaucoup de mots. Beaucoup de mots, effectivement. Mais cette année, nous avons voyagé à Guéry. Hein. Vous allez sentir ça même dans cette émission. Ouais, on a parcouru le Togo. Miss Lina National, International, Interplanétaire et Intergalactique. Galaxie. La promotion. Alors, c'est moi, j'ai été. Si, elle est à Intergalactique. J'ai été promue. Maintenant, ça va être ciel-terre. Mais là, pour le moment, on n'y est pas. C'est un niveau doctorat. Mais ce qui m'a fait plaisir aujourd'hui, c'est de voir Lina danser sur du tam-tam. Justement. Parce que c'est la personne la plus timide. Et avant de lui arracher des pas de danse, il faut la secouer. Pas... Ouais. Mais aujourd'hui, il essaie maintenant. C'était joli, franchement, c'était joli. J'ai deux frères là qui se baladent, j'ai trouvé deux femmes pour eux. C'est qui, John et non, pas, non, pardon. Nous, là, on n'est pas des gens. Non, pardon. Moi-même, si tu étais mon frère, j'allais te dire la vérité. Yannick, va apprendre et étudier la culture chez Mantel, chez Montpari, voilà même. Chez Raouf Tchakondo, chez Lambance, s'il te plaît. Mais vraiment. Et la poitrine de John Lapalais. C'est à voir. Comment? Voilà. Alors, John Badaï, avant que tu ne prennes la parole, laisse-moi dire bonjour à Mister Yann. Bonjour, Océane. Est-ce qu'on peut rapprocher le micro? Ah oui, bonjour à tout le monde. Bonjour, Océane. Bah, ça va super bien. Content de vous retrouver encore ce matin. Mais tu es dans la pause, hein? Ah oui, hein? La pause, c'est éternel. Question pour toi, Yannick. Un champion. Tu es de quelle ethnie? Je suis Kabyé. Ça vient de Somdinaro sur la montagne. Je suis un montagnard. Yonde. Yonde, c'est Kotokoli. Laisse-moi je te parler. Laisse-moi je te dire. Il y a. Ça. Il y a un. J'ai répondu, non? Tu es garé. J'ai répondu. C'est déjà un bon début. On te montre. Pour aller à Kara, c'est pas loin. Tu prends la nationale numéro 1. Pardon, au moins ça, je connais. Je connais. Tu dois. Tu dois, voilà. Et tu vas arriver à Kara. D'accord. Merci. Mon amour, mon idéal. Ben oui. J'ai vu défendre une autre femme que moi. Non, ça, c'est ma soeur. Il faut bien dire les choses. C'est pas une autre femme, c'est ma propre soeur, ma charmante.
même, tu vois. D'accord. Il faut garder les choses. N'est-ce pas? Mais elle est venue, tu vois, il est venu me prendre ma soeur. Ça, c'est pas mais ça, c'était difficile comme. Oui, ça ne s'est pas fait. Pas équitable. Mais je suis fière de toi. Bah, voilà, tu as vu la poitrine. Ouais. J'ai une question. La poitrine. Est-ce que tu as eu mal quand tu as cogné la poitrine? Ouais. Non, tu vois, on est préparé pour ça, on est initié pour ça. Donc, d'accord. Du coup, c'est de l'énergie là. Mais j'avais vraiment eu peur quand Yannick et John voulaient se cogner. Mais si j'étais soucié de moi, moi. J'essayais d'écouter, n'eût été la musique, mais là, c'est crac. Mais c'est deux potes qui sont partis comme ça. À un moment donné, j'ai eu peur parce que mon menteur, il a qu'il est à Glanan. Alors, hommage à toutes les autres filles ici présentes. Commençons par Manu, le Saint-Esprit. Manu, hommage à toutes les entités ici présentes, on commence par le Saint-Esprit. Amen. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Hey. Hey. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Ça va, ça va, ça va, c'est ça va, ça va, chérie, ça va, allez, hey, yo, 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 c'est la pause de l'eau. Et puis là, de l'eau. Ouais. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. 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 C'est ça va, ça va, lui, ça va, ça va, ça va, ça va, allez. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Depuis hier, c'était une question de va-et-vient. Peu à peu, les jumeaux grandissent et découvrent ce monde d'injustice infernale. Un soir, elle va s'asseoir à la devanture de la nature, admirant l'aquarium de la nature, et appelle son frère. Hé, hey, viens, viens. Je maîtrise tous les actes de la vie. En fait, tous les actes les plus répugnants de la vie se résument en nos prénoms. Manger, va et viens. Bouger, va et viens. Travailler, va et viens. Prier, va et viens. Émission, va et viens. Danser, va et viens. Ben. Est-ce qu'on peut revenir sur, sur les prénoms de la semaine? Non, baisser. D'accord. Non, qu'est-ce que vous pensez? Okay. Oui. Quand vous baissez, c'est pas. C'est baisser. Ah, ben. Va et viens. Et ben. Va et viens. Alors, ben. Je non, biaisé, biaisé, c'est bon. C'est mieux. Alors, voilà. Et aujourd'hui, nous sommes le 8 décembre 2020 et nous fêtons. Le 8 janvier. Non, c'est un menteur. Non, quand même. Le 8 décembre 2020. Quand même, c'est un menteur. Non, 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 attends un tout petit peu là. Tu as le choix de décider de ce que tu veux, mais tu fais ça hors de l'émission parce que nous, 2020, on veut plus. Okay, quittons la mentorat, revenons à la pause. Okay. Aujourd'hui, nous sommes le 8 janvier 2021. Wow. Et nous fêtons les Luciens, les Luciennes, Kofi. Afi, en pays V, Kouméalo, Kouméabalo, en pays Kavie. Ben, sur le calendrier grégorien, nous fêtons okay? Lucien, Lucienne. Ouais. Mais pour la croisée du jour, nous avons choisi Amouga. Amouga. Et c'est pour ça qu'on va recevoir dans peu de temps, dans Bizarre, cet homme-là même qui a érigé un album dénommé Amouga. Un homme tout simplement. Et l'homme. Merci beaucoup. Bonjour John. Bonjour Océane. Ça va? Ça va super bien. Alors ce grand match c'est pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui exactement. Le Togo contre le Bénin, les écureuils du Bénin dans le cadre de l'UFOA B. Ok. C'est le... Bénin. Oui c'est Bénin. Aujourd'hui là, on va vous écraser, c'est vrai. Alors ça va se passer sur le stade. On ne pas les gens comme ça. C'est comment? Non, qui non, 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 c'est le nom du Bénin, tu dis. Ok, d'accord. Alors, le match va se passer aujourd'hui, ce soir à 16h sur le stade de Kégué. Exactement. Les reporters y seront. Je profite en même temps pour faire un gros coucou à mon doyen, à mon boss, Monsieur Claude Ama de la rédaction sportive. Pas le directeur, mais le chef de division à la rédaction sportive. Okay. D'accord, okay. Monsieur coucou, Claude Ama. Bonjour, chef. Respect. Bonjour. Alors, ce soir, ça va être vraiment grave. Je suis sûr. On va l'emporter encore. La fois dernière, on l'a remporté 2-1 contre les Nigériens. Ça, aujourd'hui, là, c'est 3 buts. C'est 3 buts.
Alors, pour de vrai, les jeunes sont très motivés. Ils sont très motivés. Le talent y est, on y croit. C'est comme je l'ai dit hier, certains m'ont bien jamais Mais on va pas faire ça quand même. On va leur laisser le temps de faire également ou de suivre leur parcours. Justement. Parce que où ils sont aujourd'hui, les autres aussi sont passés par là, quoique. Voilà. Et on nous a demandé justement de revenir sur le portrait de la semaine avec Claude Leroy aussi. Claude Leroy, oui. Pourquoi pas? On va le faire la semaine prochaine, pourquoi pas? On nous a demandé de faire le portrait de Senaya aussi. Senaya Junior aussi, exactement. Alors, je profite en même temps pour rappeler l'événement qui va se passer demain, la journée arc-en-ciel qui va se passer au niveau de la caisse dans une villa très jolie là que vous allez découvrir demain à partir de 9h. En essence, terminée à 17h. Journée arc-en-ciel. Le thème, c'est Impactons notre jeunesse. Il y aura plein de panélistes et puis beaucoup d'artistes qui vont passer. Et ça va être... Toute la peau sera là. L'entrée, le prix d'entrée, votre billet d'entrée, vous le prenez à 2500 francs seulement et vous nous contactez sur le 98 05 86 05 02 78 51 27 et naturellement il serait criminel de ne pas préciser que nos MC sont naturellement un bon couple Badaï et mademoiselle featuring avec madame Déborah. Est-ce que moi aussi j'aurai l'opportunité de faire un rappel? Bien sûr, allez-y. À ton aise. Et grave, on sort. Bref, c'est juste pour rappeler à ceux qui doivent envoyer des vidéos par rapport à la rubrique Top Culture que vous avez comme thème la semaine prochaine les ethnies comme les Évé et les Naodéba. Donc on a deux ethnies, Évé et Naodéba. Tous les Évé qui nous suivent actuellement, tous les Naodéba, comme c'est directement tiré sur. Bref, je me tais. Les Évé, les Naodéba, nous attendons vos vidéos. Non, mais toi, tu cherches le Naodéba, c'est moi. Ben oui, mais c'est pas sur moi. Je voulais pas elle a compris. C'est moi qui avais parlé de Naodéba. Voilà. Et donc, on m'a dit que l'ethnie, c'est les Naodéba. Sinon, j'ai cherché d'où est-ce que tu venais de Naodéba. Les Évé. Voilà. Donc, si vous êtes Évé, vous prenez votre téléphone, vous allez dans un endroit qui est totalement insonorisé. Vous nous faites une belle vidéo d'une minute dans laquelle vous nous dites bonjour, Namilo, allô, Ndilo, ou bien Ndokbenamilo. En tout cas, comme ça se dit chez vous. Et ensuite, vous vous présentez et vous nous parlez de votre culture, ce que vous mangez habituellement, comment vous habillez pour les fêtes, quelles sont les cérémonies que vous avez chez vous. Et s'il y a des coins à visiter impérativement, dites-nous où sont ces coins également. Et en temps, n'oubliez pas de nous envoyer des photos également, ça va bien soutenir. Bien, alors, étant donné qu'on est dans la musique aujourd'hui et qu'on va mourir dedans, on va partir avec des pauses voice. Est-ce que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons 16 candidats à cette date qui sont en train de compétir pour une cagnotte de 500 000 francs CFA. Et les fan clubs sont déjà activés. Ils ont commencé à voter depuis le début de la semaine et on sait que beaucoup attendent également de retrouver leurs candidats pour continuer à voter pour eux. Justement. Ce matin, on vous présente 4 lots de 4 candidats et chaque candidat porte le numéro sur lequel il est tombé au hasard. Voilà, c'est comme ça. Alors, on part pour une première vidéo. Regardez et pour voter, vous envoyez la pause suivie du numéro de votre candidat sur le 96 06 06 06. C'est parti pour la première vidéo. C'est Mista Adios. Je vais interpréter la chanson du centre innocent Raphaël. J'ai eu une grande chance de la voir ce soir. Je lui ai demandé d'être mon fiancé. Elle est la seule qui me comprend, la seule qui me connaît vraiment. Chaque temps elle hante mes pensées. Abondance de bien ne nuit pas. Elle m'entraîne malheureuse. Oh mon Dieu, je suis en jaillie. Sans elle, je crois plus faire un pas. En avançant pas à pas, nos épreuves on va les surmonter. Camille, pour te plaire, dis-moi qu'est-ce que je n'ai pas fait. Oh Camille. Camille, pour te plaire, trop de choses j'ai dû changer. Oh, tu ne m'as jamais vu. Moi je ne vois que toi Camille. Jamais vu. Oublie l'idée qu'on soit amis.
Camille, je sais à quelle heure tu te réveilles le matin. Camille, y'a témoin, mi ami ou un ami. Fifia et poto pour mia de Jesse. Miron kuba betom yin de pepe. Il n'y a pas de ressources, il y a des gens qui font des gammes, ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ah, mais maintenant, je suis en oh, la cigarette, on va aller à sortir. Gamme la famille, la pépa. Au télé, baba, tchao, la boga. Volonté, même les gars qui font, parce qu'il y a que l'intérieur de tout ce grand effet. Quand je la vois, je un connard de son femme, en tout cas. J'aimerais faire de la même mes enfants, mais en tout cas. Et bien, t'es quoi, dans si on vit, paye jamais ma démo. La pause. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements des chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Alors, salut, moi c'est Jules Bebari à Yuba. J'aime bien votre émission. Je vis en Côte d'Ivoire, précisément à Bengourou. Et je suis fière d'être togolais. Merci infiniment pour votre message. Merci à tous ceux qui envoient tout plein de messages pour voter également pour leur candidat. Coucou, comment allez-vous? Ça va très bien. Vous êtes tous beaux et belles. Merci infiniment. Beaucoup. Alors, bonjour la pause, comment bonjour. Allez-vous? Ça va très bien. Waouh, vous êtes impeccable. Je vous envoie beaucoup, beaucoup de roses pour la danse. Bah, merci. Là, 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 là. Coucou le plateau. Coucou. Alors, ça va. Comment Oben Ali La pause Ali Et Vivinade Ayo, je profite de cette occasion pour saluer les danseurs du Togo. Robert Sibless, danseur toujours en vie, boys. Merci. Alors, la fille qui a le rasta sur la tête. Bonjour, la plus belle fille parmi vous, elle est rasta. Elle s'appelle Linus. National, international, interplanétaire, intergalactique. Il aurait fallu pour que vous puissiez nous renvoyer l'appellation contrôlée avant de lui faire des compliments. C'est donc très important. Salut la pause. Salut. My name is Alphonse Chao Kossi Pierre. Franchement, j'adore votre émission. Je vote pour le numéro. Merci beaucoup. Merci. Coucou la pause. Coucou. Obinade. Eh. Dagbeye Océane Mourouo. Eh. Au panneau, tout. Il est d'accord, des pics.
Yemoule est d'accord. On s'en vient sur la piste, viens nous montrer quelques pas de danse. Alors, merci Stéphane depuis le Bénin. Ah, je savais où. Mais c'est tout de suite. Non, c'est pas tout de suite. Oh non. Non, c'est pas tout de suite. Non, faut la laisser. Alors, on a été rejoint par Elon Vance. Hein. Et donc, je ne peux pas avoir le roi à côté et me permettre de voler le trône. Je ne vais pas danser. Mais si Semenou nous donne la musique, Elon va danser. Ouais. Bonjour Elon, comment ça va? Très 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 bien. Ben si si, on va voir si ça va réellement bien. Moi ça va parfaitement bien, pas de soucis. D'accord, c'est okay. Super. Ben, on va danser, il paraît qu'il faut on va danser, je vais rapper. Tu vois. On fait quoi? On fait quoi? Je vais danser avec mes cordes vocales, tu vois. Hey. On voit la rythmique et moi je me positionne là-dessus. Ok, allez, on va sur la rythmique. Vous choisissez ce que vous voulez et vous allez voir le talent de l'artiste. Hein. Tout ce que vous voulez. Mais il faut jouer doucement. Bang, bang. Pareil qu'il faut danser. Moi je suis venu rapper. Chacun fait ce qu'il fait. Moi je vais danser dessus. Hein. C'est ce que ça doit être. Ah, si, si, non. Lui, rappe toi, t'es dans. Ça s'appelle la pause, c'est le nom de l'émission. La pause, le nom de l'émission, ça s'appelle la pause. C'est le nom de la pause. C'est le nom de l'émission. Je passais ce matin, dis bonjour à mes frères et mes soeurs. La pause. Mon prince trouvé ici, mon frère, c'est la pause. La pause. Elle s'impose ou pas, elle en pose souvent ce la soir. Pause. Je fais mon vernissage à Onomo. La pause. Je suis ici pour faire ma présentation. La pause. Frère, vous connaissez déjà l'information. La pause. Si Vincent m'a dit, m'a pas pomponné. Allez, ouais, c'est le son qui me l'a depuis mes tripes, frère. La pause. Onomoye, la pause. Si le vieux étonna, la pause. Il est tingue le tempo à me, la pause. Quand t'es ami la bleble ou, la pause. J'ai fait que moi, la pause, la pause. J'ai fait que moi, la pause, la pause. Bravo. Est-ce que quelqu'un a vu que le gars il a fini de passer son message? Il y a une exposition à Onomo, il est ici. Il est venu dans la pause pour passer son message. Oh non, il est juste passé dans la pause. Félicitations, Elon. Alors, tu restes avec nous, je vais dire bonjour à ce presque couple, Miss Martha, bonjour. Bonjour, bonjour, comment vous allez? Super bien, et toi? Ça va. On t'a vu danser, est-ce que tu as dansé? C'est pas la danse la même. Oh, improvisation. même le président des improvisations n'a pas reconnu ça. Ah ouais. Au début, je voulais suivre Larry Shams, mais ça devenait chaud. Bon, Manu, le truc que tu faisais là, c'était quoi avec ta grosse guitare? J'ai remplacé la guitare par, tu vois, le truc là. La lance, voilà. Ah ouais? Voilà, moi j'attaque avec les cordes et tout. Ah, ah. Bah, avec la corde, rien ne pourra nous séparer. Oh, et... Même si les jaloux ne sont pas d'accord. Eh. Au nom de Dieu, je vais te marier. Oh, eh, eh, eh. I belong to you, I belong to me, Nene Bellani. Yeah. Dis-le-moi, serais-tu là, serais-tu là? Ah, dis-le-moi, même si les choses tournent mal, dis-le-moi. Ah, dis-le-moi, serais-tu là, serais-tu là? Vendredi, tradition, dis-le-moi. On va te dire, nous sommes pas les rois. Merci. Alors, menteur ambulant. Est-ce qu'on peut couper le micro de Manu, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, la pause, bonjour. Bonjour. Je suis Magloire Atour depuis. Avêtons-nous que vous êtes beau et belle ce matin. Merci. J'aime la tradition. Ce matin, vous êtes tous cool. Merci infiniment. Thank you. Bonjour le plateau. Bonjour. Obinade. Hey.
Tata Ocedo Lali Bena Tonton Wiz. Voilà. Comment même? M'ke au port. Ah. Seigneur. Alors bonjour la pause, comment allez-vous? Ça va très bien. Bonne émission à vous. Hier, je voulais dire à Yannick que je l'admire beaucoup. J'aime son sourire. Bref, je l'aime. La brèche. Yannick, elle t'aime. Kémy est là ou bien Kémy n'est pas l'intérieur. Peut-être que ça va faire plaisir. Lina est très belle aujourd'hui. Lina. Non, Océane, mon idole, je vous aime tous. C'est Kezia depuis Amada Rumé. Merci beaucoup Kezia. Alors Kezia, si tu veux réellement vivre à Amada Rumé, attention avec ce que tu dis par rapport à Yannick, parce que le gars n'est pas sécurisé, hein, je te le dis tout de suite. Merci beaucoup. Bien. Alors, mentir. Justement, comme je le disais tantôt dans l'introduction, aujourd'hui nous sommes le 8 janvier 2021 et non décembre. Et nous fêtons aujourd'hui sur le calendrier grégorien, les Luciens, les Luciennes, en pays V, Afi, Kofi, en pays Kabien, Koumé Alo, Koumé Abalo. Mais vu l'avenir de ce grand homme, qui a sorti un album il y a de cela un an, janvier, le 31 janvier dernier. Et l'album est titré Ameouga. Donc nous avons choisi le prénom Ameouga comme acrostiche. Ameouga. C'est en voix. Et l'homme a un morceau Ameouga. Bien sûr, il fait le morceau. Moi, j'ai introduit l'acrostiche dedans de façon slamique. Tiens. Et si c'est vrai. Ameouga. Ameouga. Oh, yoga, yaga, meto. Oh, yoga, beto, beto, ton amulo. Ameouga, lo. Ameouga. Ameouga. Oh, yoga, yaga, meto. Oh, yoga, beto, beto, ton amulo. Ameouga, lo. Ameou. Ameou, c'est écrit. A. M. E. A, sans début. W. U pour certains, OU pour d'autres. Ameou. Aspirant sage et majestueux. Mère servante astucieuse. Édifiant, éclaireur et généreux. Wagon des mesures ingénieux. Optimal, perspicace, ambitieux. Unique être béni des dieux. Et Ameou Galo. Ameou Galo. Ameouga, Ameouga, Oyoga, Gabeto, Oyakota, Gabeto, Ameouga, Ameouga. Alors, merci l'homme. Bienvenue. Merci à toi. L'homme, vous le connaissez bien, l'homme est un artiste très engagé, artiste rappeur, artiste parolier, artiste slaveur, réalisateur. Des éminents. L'homme. Les impossibles. Impossible éminents. L'homme, depuis un an, a sorti un énième album dénommé Ameouga le 31 janvier passé. Vu la situation sanitaire, on n'a pas pu vraiment communiquer là-dessus. Et en janvier 2021, le Fofo et l'homme Vince revient sur l'album avec un concert qui sera donné le 15 janvier à l'hôtel Onomo, mais tout ceci va commencer en prélude par une exposition qui commence d'ailleurs ce soir. Foufou, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il, mesdames et messieurs? Je suis là pour présenter. Donc cet après-midi, ce soir, il y a une expo à l'hôtel Onomo, dans le jardin d'Onomo. Et l'idée, c'est de présenter l'univers personnel de Elam Vince, l'univers créatif, mais à travers plein d'artistes avec lesquels je travaille. Le titre de l'album, c'est Ameouga, c'est de montrer qu'on ne fait pas les choses seuls. Aujourd'hui, quand on voit ce groupe-là, le son est bon parce qu'ils sont ensemble, ils font. Ouais. Voilà. Et souvent, nous, en tant qu'artistes, sur nos pochettes, on nous voit seuls, mais on ne montre pas forcément ceux qui font la pochette de l'album, ceux qui mixent, ceux qu'on invite. Et ce que j'aimerais faire ce soir, c'est montrer mon univers créatif à travers des artistes avec lesquels je travaille. Donc, c'est divisé en 5 temps, pour faire court. Il y a le temps, je peux dire, le temps fort. Vous m'avez demandé de danser, c'est pas ce que je sais faire le mieux. Mais j'ai demandé à des danseuses et danseurs que j'admire, que je respecte beaucoup, de venir faire un défilé de mode, mais en danse aujourd'hui. Donc, ils vont porter ma marque de vêtements à Srafobaou. Mais au lieu de marcher comme on le voit d'habitude, elle et Yves viendront marcher, viendront danser. Il s'agit de Estelle Sicota et Estelle Sicota et Rico, pour ceux qui les connaissent. Il y a le temps que j'appelle le temps profond, qui est une installation dans le jardin que j'appelle le temple de la connaissance de soi.
ou permettre à tout un chacun de venir s'asseoir en face de lui-même. Vous, bon, comment pas ça se fait, ça? S'asseoir en face de nous-mêmes, c'est un temple qu'on a conçu spécialement pour ça. C'est un temple où il y a une personne à la fois rentre dans le temple. Il y a des questions qui sont posées dans toute la salle. Il y a un miroir en face de vous. Et d'autres choses que je ne vais pas dire ici pour que les gens viennent voir. Et c'est le cœur même de l'expo, parce que le but de cette exposition, c'est de nous montrer que, après tout, l'être humain est un être spirituel. Ouais. Donc il y a d'autres temps, comme ce que j'appelle le temps flash, où à travers le regard de Emerson Lawson et je viens sur Ivy, il y a une expo photo. Ce que j'appelle le temps mort, où il y a des sculptures, des grandes sculptures, des totems. Le bois, est-ce que c'est une sculpture, est-ce que c'est juste du bois taillé ou est-ce qu'elle est habitée? C'est la question à travers ça. Et puis il y a ce que j'appelle le temps vivant, parce que c'est une exposition sur une semaine. Il y a des ateliers de photos, des ateliers de tissage quinté, il y a une boutique éphémère à Srafobaou, il y a des livres qui m'ont influencé, des vinyles, de la musique, voilà. On retrouve tout ça. Donc c'est tout ça qui va se passer. Et voilà quoi, rappelez que Ameouga, c'est le nom de ce projet. Et je n'ai pas juste envie de monter sur scène, rapper, partir. C'est créer vraiment un espace, créer des moments que je partage avec les gens que j'aime et les gens qui m'aiment. Wow, c'est tout un programme, hein, et c'est vraiment à féliciter, surtout le travail derrière. Moi, je salue l'initiative de mettre en avant tous ceux qui, en backstage, travaillent justement à vous mettre en lumière. De temps en temps, c'est bien de les dévoiler pour qu'on puisse savoir qui fait quoi et que ça devienne des références également dans leur domaine. Félicitations. Merci à vous. Et pour participer, est-ce qu'il faut payer, non? À janvier, on ne peut pas faire gratuit. Donc, c'est pour ça, c'est en deux temps. Okay. L'expo, ce soir, c'est gratuitement. D'accord. Mais c'est sur réservation parce qu'on sait que la maladie, la crise, elle est toujours présente, la COVID, elle est toujours là, donc il ne faut pas qu'on fasse semblant. Et là, donc c'est pas plus de 100 personnes. Donc je pense qu'il y a quelques places encore qui sont pas encore prises. Donc pour ceux qui nous regardent là et qui veulent venir voir ce qui va se passer ce soir à partir de 19h, appelez le numéro de Nomo à l'accueil de Nomo pour voir s'il y a encore des places. D'accord. Donc voilà. Mais pour le concert, le vendredi prochain, c'est à 5000 francs CFA avec ça, Conso. C'est pas cher payé voilà. du tout. Hein. Parce que voilà, je pense que l'année a été très difficile pour les artistes, pour tout le monde, hein, mais particulièrement pour les artistes, parce que nous, les artistes, on est des angbétos, tu vois. Oh. Ce que j'aime dans les angbétos, c'est qu'on travaille souvent la nuit, dans les cabarets, dans les concerts. Et on sait que moi, par exemple, ce concert, j'étais rentré de ma tournée européenne, je devais enchaîner avec le concert en mars. Mais non, ça n'a pas tenu. Et c'est arrivé, donc voilà. C'est important aussi pour moi de faire un truc minimum pour que les musiciens qui jouent avec moi, c'est toujours dans l'esprit Ameouga. On va parler de Elam Vince, mais s'il n'y a pas Denis à la basse, s'il n'y a pas Gilbert à la batterie, s'il n'y a pas Kujo, Elam, les autres au cuivre, s'il n'y a pas Kiki au piano, Elam Vince ne pourra pas faire de la musique live. Et c'est des pères de famille, c'est des mamans aussi qui ont des charges. Et c'est pour ça que c'est important de soutenir. On n'est que 100 personnes. Voilà quoi. Si quelqu'un se fâche là, il peut venir lâcher toutes les places. Voilà. Alors, l'exposition de ce soir va permettre à tout un chacun de nous de se découvrir soi-même. Mais par rapport au concert du 15, d'habitude, le coin traite des concerts d'ésotérisme, de spiritualistes. Et le 15, qu'est-ce qu'on va découvrir? C'est tout ça en fait. Moi je pense que l'homme 20 c'est plusieurs facettes. C'est ce que j'essaie de faire sur ce projet. Et l'homme 20 c'est très spirituel. Je ne m'en cache pas parce que je le considère que l'être humain est spirituel avant tout. Mais l'homme 20 c'est un militant aussi. Donc ça va être militant. Le concert va être divisé en trois temps. La spiritualité, l'intime et le côté politique ou militant. Parce que pour moi l'intime est au centre de tout. C'est comme la famille, c'est au centre de la communauté en fait. Donc l'intime, pour moi, on n'en parle pas souvent, mais je pense que tout le monde ici a connu des joies, connu des blessures. Et je pense que nous, en tant qu'artistes, ce qu'on sait faire de mieux, c'est de prendre une douleur et la magnifier. Et cette douleur magnifiée peut s'exprimer dans un cadre collectif à travers des propos qu'on peut qualifier d'engagés, d'activistes et tout ça. Mais au fond, moi, j'aime toujours dire que j'ai toujours chanté l'amour, l'amour pour moi-même, l'amour pour les miens, l'amour pour mon pays, l'amour pour l'Afrique. Parce que quand tu aimes les gens, tu ne peux que leur souhaiter le bien. Et quand même, tu prends des risques pour dire des choses, c'est parce que tu aimes les gens. Donc voilà, le concert, pour moi, on dit, c'est la QB, on a publicité, quoi. Et Jim pour l'impro. Très humblement, j'ai faim, j'ai vraiment envie de faire ce concert. C'est Genève, Paris, Lille, tout ça. Mais moi, j'ai envie de faire ce concert chez moi. Et là, j'ai l'occasion de le faire dans une semaine et je vais être tout mignon ami, quoi. Voilà. Ça,
c'est une promesse. D'accord. Sur l'album Amehou Gaïa, un titre qui est sorti aujourd'hui en clip. Où est-ce qu'on peut le retrouver? En fait, c'est pas sur l'album Améouga. 11 mois après l'album Améouga, c'était pour moi, toujours dans l'effet miroir, de sortir un projet qui définit encore Améouga. Donc 2020, on le sait tous, 60 ans d'indépendance, 17 pays francophones. Et je trouve dommage qu'on ne donne pas assez la parole aux jeunes. Ouais. Je trouve légitime qu'on puisse toujours interviewer les anciens, comment vous avez lutté, etc. Mais 60 ans après, je trouve qu'il est très important de donner la parole aux jeunes aussi, comment ils vivent l'indépendance. Donc, en un mois, le mois de décembre en gros, j'ai appelé Ayami sur le projet, Noir Velours, Bino Capom, DCO et Di Mufasa, tous ces jeunes Togolais talentueux, dit les gars, venez rentrer en studio. On a fait un projet qui s'appelle Abdodé, qui est en téléchargement libre sur internet. Et aujourd'hui, ce matin, on a sorti un clip qui s'appelle Enou Lewo, avec DCO, Bino Capom et La Kouélé. Et c'est pour dire que cette année, et nous pointons là haut quoi. Et nous négatifs haut. Et on commence en force, ouais. Donc le 8 janvier, le clip est sorti ce matin à 7h07. Téléchargement, donc allez-y quoi. Allez, regardez. Et nous les hauts. Voilà. Exactement. Alors pour l'exposition, c'est ce soir à partir de 19h au Nomo. Et il y a encore quelques places de perdu qui attendent preneur. Donc appelez l'accueil ou appelez le. Voilà, à Onomo. Mais il y a un téléspectateur qui demande le numéro propre de l'homme. C'est pas ça. Ah, ça, c'est compliqué, frère. C'est compliqué. Après, si je réponds pas, on va dire que je mets les plats, quoi. Mais la réalité, c'est que des fois, il y a 200 messages WhatsApp. Merci, c'est compréhensible. Alors, c'est simple. Si vous voulez voir Elam 20, ça allez à l'exposition ce soir. C'est à Nomo, c'est à 19h. Il n'y a pas un autre endroit où vous pourrez le trouver pour aujourd'hui. Ou alors, vous prenez rendez-vous tout de suite pour le concert dans une semaine. Et le concert également, c'est à Nomo. C'est à Nomo, toujours au bord de la piscine. On va faire ça bien. On va faire ça bien. Améouga, on va le prouver. Merci infiniment à Elam d'être passé dans cette émission. On va poursuivre avec la deuxième vague de nos concurrents de la pause voice, ou des voice pause, comme si vous l'entendez ou vous le sentez au mieux. Hein. On retrouve 4 candidats et juste après, Lady Shams viendra ici sur ce plateau accompagnée de notre chorégraphe, l'unique incontournable international, mais qui ne rime pas avec notre Linus, s'il vous plaît. Il sera là, Raoul Tchakondo, et on va faire un petit mix de pas de chez nous. Mais tout de suite, The Voice Pause. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie-toi cette fille-là. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie-toi cette fille-là. C'était un phénomène, elle n'était pas humaine. Le genre de femme qui change, le plus grand délinquant, un gentleman. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer. Sans savoir qu'elle aimait en bateau. Hypnotisée, on pouvait tout donner. Elle n'avait qu'à demander, puis aussitôt on démarrait. On cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré. Sans savoir qu'elle aimait en bateau. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie-toi cette fille-là. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient la pause. Libre mais mon cœur n'est pas à prendre. Que langage mais toutes ces conquêtes ne sont qu'un jeu. Elles ont toutes essayé de me mettre dans les passes. Instant de bad boy, je m'en sors de ces offrages. Mais une seule a pu rentrer dans ma zone. Elle m'a formaté, m'a fait repartir à zéro. Perle sans mes fers, je dors, mais quand je pense à ça, adieu. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de lui dire take care. Quand je la vois ma... What would I do without your smart mouth? Drawing me in, you kicking me out. Got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on that beautiful mind? And your magical mystery light. And I'm so dizzy. Over, you know.
Kudo tame susude Garcia game Ole wan ave wame Bazantigan Risto kyoto Evogbe do doa suda Oswebe yerika Yesu Ki ugbon obi wa o 20 Ugbon si korenti Ebe ya bruan Hey Oglopo vita oba Like a ninja in the morning, shining star across the night, the most beautiful girl I've seen in all my life. Every second spent with you is like a day that starts brand new. Girl, I'm so amazed at all the things you do. Yes, I wanna build my world around you. So I promise you. La pause. I'm a five-star boy, I'm a five-star boy, I'm the golden boy, yeah. Say, give me the one-man show and fire flow, bring it over to Togo. And baby, we can fuck if you want to. Take it to places you never been to. If it money where you want, I go put it for your head. Golden boy, I'ma kill it to the end. Get to know the finish, I'll be giving it to them. My daddy told me, don't trust man, trust yourself, yeah, 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 yeah. Turn it up, turn it up. Turn it up, turn it up. Oga, 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 hey, oga, oga, oga. Un grand merci d'être toujours avec nous et restez avec nous parce qu'on n'a pas fini avec les surprises pour aujourd'hui. Hein. Coucou à vous, votre émission nous fait du bien. Juste pour vous saluer, je vote le numéro. C'est Edem Chiquito Santi depuis Afania. Merci beaucoup. Coucou la pause. Alors Océane, je veux voir ta jolie tenue au moment de Obenade parce que c'est toi seule qui n'est pas venue devant pour la danse. Hein. En Brésil, merci pour le message. Salut à vous tous. Salut. Vous êtes tous mignons aujourd'hui. Bonne émission à vous, c'est Fidèle depuis le Mali. Merci Fidèle. Bonjour chers tous. Bonjour. Comment allez-vous pour moi? Très très bien. Sinon moi je vais super bien. Ce fut toujours un réel plaisir de suivre tous les jours. Bah, et vraiment je suis fan de vous mes gens bien. Merci. Jerry, Manu, coucou à vous. Merci, j'oublie coucou. Pas mon menteur ambulant. Je profite merci. Du moment pour saluer mon frère Edem, Draqué et tous mes fans de près ou de loin. Big up au personnel de la pause, c'est l'artiste Lolo de Paris, hey. Bébé d'Océane. Hey Lolo de Paris, hein. Alors ça, moi je suis, vous n'êtes pas mon bébé. Alors bonjour la pause, je vous bonjour. Salue en langue. Naudem Norbi Mambé, moi c'est Mika Midakena à Adido Gomé. Alors merci ça je fais ma capture d'écran pour garder pour bien petit hein. Merci beaucoup. Alors bonjour la pause, vous êtes mignon aujourd'hui, c'est merci. Dieudonné Kadak. Baka, ah non, 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 Badako, voilà, dit l'incontournable 69 depuis le Mali. Merci infiniment. Merci. Salut le plateau. Salut. Bonne émission à vous. Je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon frérot Lucien Issé. C'est de la part d'Azim depuis Agoué. Merci beaucoup. Merci. Alors, tous les messages, salut à vous tous. Je vous kiffe tous. Merci beaucoup. Pourquoi monsieur Joël n'est pas venu? Il est là-bas. Voilà. Justement. Sylvestre dit double S depuis Mangoti Gombe. Dans le café. Cafétéria Ericsson, je vous invite à venir goûter notre spaghetti et d'autres menus. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Y a-t-il une possibilité pour moi de participer à question pour toi, The Voice Pose? Mais il n'y a pas de problème. Effectivement, il suffit d'envoyer une vidéo de 1 minute, pas plus, 1 minute, sur le numéro de la pause 96060606 pour vous dévoiler, vous démontrer votre talent. Vocal, bien sûr. Ok. Alors, merci pour tous les messages et merci à tous ceux qui nous envoient des messages déjà dans leur langue locale. Il faudra faire de la phonétique pour que je puisse lire également. S'il vous plaît. Bien. On poursuit. Alors, le groupe Simenou L.
Nous avons un nouveau groupe que j'ai improvisé sur le tas. Aïe. Notre grand et incontournable Raouf Tchakando. Oui, il est là. Et je précise que c'est lui qui nous sauve en matière de pas traditionnel et même du monde d'ailleurs. Il est accompagné avec beaucoup de charme par notre Lily Charms. Alors, ne sommes-nous d'Oha de la Gbire qui a... Il y a un Moja Houhou de ce qu'elle a dit. 1, 2, 3, c'est parti, les gars. Lily Charms, pareil. Hein. Et ceux qui ont dit que moi, je ne sais pas danser. Hey, ma femme va là-bas. Je n'aime pas ça. Hein. Hein? Donc, mon mari, est-ce que tu m'autorises? Je t'autorise. Dis, hein, de toute façon, c'est mes nourris là. C'est ça là, c'est sûr. Je t'autorise. Attends, je descends. Toto là, c'est beaucoup trop. Je t'autorise. Bon, attends, je vais rester avec Raouf. C'est pas mieux. Tu marches vite sur les pieds. Non, je vais moi juste t'accompagner là-bas. Ah, d'accord. Ok. Soit. Alors, Raouf. Oui, j'ai besoin de. C'est léger. Je vous la confie. C'est léger, hein? Très léger. Mais je veux bien vous faire les mêmes choses. Ou alors, bon, on était où là tout à l'heure? On prend le micro. C'est toujours à Bassa. Est-ce que je peux avoir un micro, s'il te plaît, mon chéri? C'est normal. Attends, je passe par ici, je vais le prendre. Ah, mais oui. Merci, t'es un amour. Alors, Raouf, on était toujours à Bassa. Et comment ça s'appelle cette danse? Lawa. Lawa, donc on a eu Bla pour commencer. Et là, Lawa, et puis on a fait aussi un peu de Tubol. Tubol. Lawa et Tubol. Lawa et Tubol. Et là, maintenant, on va avec quoi? T'as on dit va toujours déjà... avec Lawa. Lawa? Oui. Si, c'est vrai que c'est un peu plus sensuel. Non, c'est, que... ouais. C'est juste là. Mais c'est en douceur. En douceur. C'est, hein. C'est plus pour les femmes. Bon, déjà, Aouya et Queen, quoi. Ne m'y pas dit. Oui, tu vois, Wanya. Alors, c'est parti. Allez, on s'essaye. Ma femme qui va danser pour vous. Voilà. Tac. Avec légèreté, là, et après on va juste descendre, voilà. Les bras qui suivent, voilà. Oui, ah, oh hey ça va, ma femme, ils ont peur déjà, on va y aller, alors, et Dieu, on y va, c'est nous, allez, allez, I'm gonna make you mine.
Merci mon ami. Tu valides ou pas? C'était mignon. Ah ben merci, merci beaucoup. Bien. Ah ouais. Les Chams. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est... Comment ça va? Ça va. Alors on a vu passer une vidéo, hein? Mm-hmm. Mm-hmm. Ça parle de quoi? C'est là on a vu danser aussi. Mais on va débriefer quand même. Le souffle. Alors la vidéo tout à l'heure, où tu dansais, tu faisais des pas sur. Sur le son de Kiko. Ah ok. Ouais. Oui. D'accord. Si on peut repasser la vidéo, s'il vous plaît, que je fasse la choré. Ok. Alors, est-ce qu'on peut avoir juste le son de la vidéo, comme ça, on fait la choré par-dessus. Justement. Voilà.